Sie machen keinen Wengertsbisch, den ersten Bio-Wengert am Land, geht der Stiftung Hölle für die Natur, geht von der Sektion Natur und Umwelt hier beschafft. Wir haben hier momentan ein Formationschantier mit dem Thema Dreschmauern. Zusammen mit Partnern an der Großregion aus der Belgien, Deutschland, Frankreich, ein Interreg-Projekt hier in Pierre Sech, dans la Grande Région. Wenn die Röschmauern schlecht sind, gesehen, dass sie so Bauch machen, typischen Symptom, wo Mauern eben nicht mehr hier Drainage-Wirkung erfüllen, dass ein Bauer kann auf der Platz aufbauen und mit der Premier die Stänge weiterverwerten. Dass ich nicht darum neu stängen muss, alle guten neuen Brüche gehen und Karriere, und dass sie noch Stängen sind aus der Region. Chaque pierre a ses spécificités, mais globalement la technique est la même. Alors à quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à appareiller les pierres, à les disposer soigneusement, en évitant de mettre côte à côte des piles de pierres qui ressembleraient un peu à des piles d'assiettes et qui ne seraient pas stables. Et on retrouve également dans tous les murs plusieurs composantes. La première, c'est le fruit que l'on donne aux murs. Donc les murs comme ceci, on constate que leurs parois ne sont pas verticales. Que ce soit des murs de clôture comme ici, ou que ce soit des murs de soutènement, le mur est incliné vers l'intérieur du mur, dans ce cas-ci, vers le talus à soutenir quand c'est un mur de soutènement. Et cette pente qu'on va donner au mur, on l'appelle le fruit. Voilà, c'est le fruit. C'est même bien sympathique, mais c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le fruit, voilà. Alors on va devoir aussi dimensionner ce mur en fonction de l'usage qu'on va en faire. Dans un mur de clôture comme ceci, généralement, mais les règles que je vais donner, ce sont des règles très générales, ça tient compte aussi de cas particuliers. Généralement, un mur de clôture, on va lui donner un rapport hauteur-épaisseur à la base de 2 pour 1, en ne descendant pas à la base en dessous de 50 à 60 cm. Donc même si on fait un petit mur de 80 cm de haut, on ne va pas lui donner 40 cm ou 30 cm à la base, ce sera beaucoup trop peu. On va quand même le faire de façon à ce qu'il soit bien stable. Donc, mur de clôture 2 pour 1, mur de soutènement qui retiennent des talus. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, alors que ce mur va encaisser des contraintes, va encaisser des poussées, eh bien on va aller à du 3 pour 1. Donc c'est un mur, c'est-à-dire que ce mur sera, proportionnellement parlant, plus fin. Mais il s'appuie sur quelque chose, quelque part, et on va lui mettre un drain derrière pour retarder l'entrée des terres dans le mur. Et puis une fois qu'on a dimensionné son mur, eh bien, on va s'attacher à disposer les pierres. Dans un premier temps, on va disposer les pierres de fondation, fondation qu'on aura creusée dans le sol, surtout sans béton, sans stabiliser, rien que des pierres. On va utiliser les toutes grosses pierres, et cette fondation, on l'inclinera vers le talus à soutenir pour un mur de soutènement, et on fera une double inclinaison vers le centre du mur pour un mur de clôture. On va ensuite disposer ces très grosses pierres qui ont pour vocation de rester bien stables, de stabiliser l'entièreté du mur et de ne pas s'enfoncer dans la terre comme le ferait toute une série de petites pierres avec le poids du mur parce que la terre remonterait progressivement dans les joints. Et puis après, on va appareiller toutes les pierres qui vont constituer le corps du mur. Quatre règles de base pour ça. Ah ouais, ça c'est précis, hein. On ne chipote pas. La première, c'est que les pierres elles doivent être correctement assisées, donc elles doivent être stables. Si elles ne sont pas stables par elles-mêmes, on va les caler par derrière avec d'autres petites pierres pour leur assurer une stabilité maximale. La deuxième règle, c'est qu'on va incliner les pierres vers l'arrière du mur ou vers le centre du mur dans ce cas-ci, pour éviter qu'elles ne soient facilement éjectées vers l'extérieur. Ensuite, on va croiser les joints, c'est la troisième règle. Donc on ne peut pas avoir des joints qui courent successivement sur plusieurs hauteurs de pierre, c'est ce qu'on appelle un coup de sabre, il faut les éviter. Et la quatrième règle, c'est qu'il faut que les pierres soient toutes au contact les unes des autres. Donc une pierre doit toucher ses voisines. On ne peut pas pouvoir faire bouger une pierre sur elle-même parce qu'elle n'a pas de contact avec ses voisines. Et dans le cas où on ne dispose pas de très belles grosses pierres, et c'est le cas ici, vous voyez, on a un couronnement de mur qui est en pierre clavée, c'est-à-dire que les pierres sont posées pratiquement verticalement, avec une légère inclinaison, et qu'elles sont coincées entre elles par éventuellement des petits cailloux qu'on vient ajouter par la suite, des petites pierres, pour stabiliser l'ensemble. Das ganze Intérêt natürlich für Natur und Umwelt auch en dem Sinn, dass eben noch ein Dreschmauer Lebensraum durchstellt. Lebensraum für eine ganz typische Vegetation an den Dieren.